la robotique progresse chaque jour, à tel point que le champ de ses applications paraît aujourd'hui sans limite. Que restera-t-il aux hommes quand les machines feront aussi bien qu'eux, voire mieux encore? Et qu'adviendra-t-il lorsque l'intelligence artificielle supplantera la nôtre? This rose is for you. Have a good day. Nous sommes en train de vivre une véritable révolution, silencieuse et encore largement invisible. Ce bouleversement, trois personnalités du Salon mondial de l'industrie de Hanovre lui ont donné un nom. L'industrie 4.0. Dire qu'on a failli l'appeler l'industrie 3.0. C'est vrai, on était parti sur le 3.0. Et puis on a recompté et on est arrivé à 4. On s'est aperçu que finalement, la troisième révolution industrielle était déjà une réalité historique. On a pris la bonne décision. Ce terme a même provoqué un débat politique. Oui, en parallèle, il y avait le développement de l'Internet des objets. Henning Kagerman a été président du directoire de SAP, le premier éditeur de logiciels européens, avant de devenir président de l'ACATEC, l'Académie allemande des technologies. C'est la figure de proue du lobby allemand de la voiture électrique. Wolf-Dieter Lucas est chef du service des technologies innovantes du ministère de l'Éducation et de la Recherche allemand. Il s'occupe de tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0. Wolfgang Walster, professeur en intelligence artificielle, est le troisième père de ce nouveau concept. Je dis toujours que nous cherchons à créer des ordinateurs dotés d'oreilles, de mains et de pieds, mais aussi d'un minimum d'intelligence. Notre objectif est de créer l'usine de demain. Il est clair qu'en ce qui concerne l'intelligence cognitive pure, comme le fait de conduire une voiture par exemple, nous sommes capables de construire des systèmes plus précis et plus efficaces que l'homme. De même, dans le domaine de la perception sensorielle, les capacités de l'homme ne sont pas fiables à 100%. Je pense notamment à l'olfaction. Nous sommes désormais en mesure d'intégrer des capteurs qui font office de nez artificiels dans les usines. Ils sont plus performants que les hommes en matière de fabrication de produits alimentaires. The robot is programmed to cook for up to 4 people, and that means that it will serve 4 identical plates. They will look exactly the same and also taste the same. Homme ou machine, la présence d'un robot demeure quelque peu déstabilisante. Mais la relation entre l'homme et la machine évolue. À l'avenir, les robots feront partie du quotidien des humains. C'est en tout cas la promesse de l'industrie 4.0. Le concept d'industrie 4.0 était une méthode, un nom de code un peu vague, quelque chose qui était dans l'air. Nous avons tenté de lui donner de la matière. Thomas Rinn est consultant. Pour lui, ce concept est devenu le fer de lance d'une campagne de publicité. Qu'est-ce que l'industrie 4.0? C'est la quatrième révolution industrielle. L'alternative qu'il présente est claire. Il faut prendre part à cette révolution ou se retrouver dans le camp des perdants. Pour moi et la société qui m'emploie, les entreprises doivent faire table rase du passé. Il faut moderniser les usines ou en construire d'autres sur de nouvelles bases. Attendre, c'est prendre le risque d'être dépassé. Le consultant insiste sur le numérique. Il incite les chefs d'entreprise présents à équiper leur usine pour l'avenir, à former leurs employés aux nouvelles tâches, voire à changer de collaborateur. Selon lui, il est grand temps de passer à l'industrie 4.0, avant que la marche de l'histoire ne les y oblige. Il faut vous y mettre. L'industrialisation est synonyme d'évolution technique et de bouleversement social.
Dans les années 1850, de vastes bassins industriels regroupant plusieurs grandes villes prennent forme en Allemagne. La vapeur et l'eau font tourner des machines qui servent à fabriquer des biens de consommation en masse. Le charbon, le fer et l'acier sont les piliers de la première révolution industrielle. L'électricité fait entrer la production industrielle dans une nouvelle phase. Les usines dominent le paysage et ouvrent l'ère du salariat et du marché du travail. La deuxième révolution industrielle est celle du travail à la chaîne et de la production de masse. Dans les années 1980, le traitement des données par ordinateur enclenche la troisième révolution industrielle. La place de l'homme dans le processus de production devient de plus en plus problématique. Et maintenant, une nouvelle ère se profile, la quatrième révolution industrielle. Oh. On attend encore Thierry, mais voici déjà Kevin, le numéro 2. En Asie, le concept d'industrie 4.0 commence à prendre de l'importance. Les Asiatiques sont curieux de voir ce qui se passe en Allemagne et en Europe, et si nous sommes effectivement à la pointe de ce bouleversement technologique. Nice to meet you. Thank you very much. Hi. Yeah, thank you. Hi, welcome to our booth. Thank you. So we only waited for you here. We have to go to another place. If you visite d'une délégation chinoise. Elle représente un grand groupe qui pourrait devenir l'un des principaux clients de l'entreprise de Thomas Rhin. Ce client est l'un des plus grands industriels du monde, avec plus d'un million d'employés en Chine. Il dirige un très grand nombre de sites de production en Chine et ailleurs, et travaille beaucoup avec les robots. Pour une entreprise de cette taille, il est absolument crucial de maximiser sa productivité et son efficacité, et nous voulons les aider à exploiter ce potentiel. Je vais vous donner un exemple très simple. Tous les gratte-ciel sont dotés d'ascenseurs qui doivent être révisés périodiquement à intervalles réguliers, par exemple tous les trimestres ou tous les semestres. Tous ces ascenseurs, qu'ils soient utilisés une fois ou 10 000 fois par mois, sont soumis à des visites de contrôle régulières fixées à l'avance. Grâce à l'industrie 4.0, ce travail de maintenance ne nécessitera plus 3 000 personnes, mais seulement une centaine. Parce que les ascenseurs et chacune de leurs pièces sont reliées à un centre de traitement et seront capables de dire eux-mêmes « Attention, veuillez m'envoyer un technicien pour procéder à ma révision ». Il s'agira d'une approche radicalement différente de la maintenance. En finir avec les méthodes actuelles, c'est aussi l'objectif des visiteurs asiatiques. En Chine, le groupe Foxconn emploie 400 000 personnes pour l'assemblage de téléphones portables. Il prévoit de remplacer 300 000 de ses employés par des robots. Davos et son grand rendez-vous annuel, le Forum économique mondial. Lors de l'édition 2016, on y aborde pour la première fois la suppression de millions d'emplois dans un monde en plein bouleversement. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos geht es in diesem Jahr um eine Revolution von oben. Und die heißt Industrie 4.0. 2500 Manager, Unternehmer, Wissenschaftler und Politiker diskutieren über den Einsatz von Robotern, über die Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge. Für den Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, ist es die vielleicht größte Herausforderung für die Welt überhaupt. Industrie 4.0, eine industrielle Revolution. Die Frage ist, wer die Gewinner, wer die Verlierer dieser Revolution sein werden. Cette révolution est aussi visible dans le quartier d'affaires de Manhattan. En se fondant sur la devise de Bill Gates, les opérations bancaires sont nécessaires, pas les banques, de jeunes entrepreneurs proposent de nouveaux outils en ligne qui menacent de remplacer les grands établissements financiers. Le rapport interne de la filiale new-yorkaise de la Deutsche Bank prophétise une crise du travail d'une ampleur inédite. Les nouvelles technologies devraient bientôt détruire plus d'emplois qu'elles n'en créent.
De moins en moins de main-d'œuvre sera nécessaire pour un rendement identique. Ce changement aura un impact majeur sur l'économie et la société. Ce rapport refroidit quelque peu l'ardeur des tenants de la révolution 4.0. C'est sans doute pour cette raison que l'antenne de la Deutsche Bank s'est refusée à tout commentaire. La silhouette d'un ouvrier manipulant son outil de travail. Cette œuvre monumentale trône dans le quartier bancaire de Francfort. Dans ses tours de bureau, on réfléchit aux emplois voués à disparaître. Inga Burk et Carsten Seski sont économistes et travaillent pour une filiale d'un groupe financier hollandais. Ils étudient les conséquences du tout numérique sur le marché de l'emploi allemand. Parmi les professions les plus menacées figurent notamment le personnel des bibliothèques, avec une probabilité de 97%. Cela signifie que ce secteur pourrait perdre un grand nombre d'emplois. Si on observe les postes peu ou pas qualifiés, tels que les caristes, les facteurs, toutes les activités qui ne requièrent pas de qualification particulière, on a une probabilité de 89%. Quant aux emplois non qualifiés dans le domaine de la gestion des stocks, on atteint les 98%. Beaucoup de métiers sont donc voués à disparaître. Selon nos études, 59% de tous les emplois sont potentiellement menacés. Il est certain qu'il faut replacer cela dans un contexte général. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un très grand nombre d'emplois pourraient être détruits au cours des prochaines années. Si on observe de plus près les types de professions concernées, on constate qu'il s'agit principalement d'emplois à faible niveau de qualification, mais pas seulement. Certaines tâches effectuées par des techniciens qualifiés vont être automatisées, et donc des emplois risquent de disparaître aussi dans ces secteurs. On estime que 18 millions d'emplois sont potentiellement menacés en Allemagne, du fait de l'automatisation et de la numérisation. Le progrès technologique n'est pas un fait nouveau, mais il n'a jamais engendré de telles suppressions d'emplois. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est l'émergence de nouvelles données. Les gros processeurs seront bientôt capables d'effectuer des tâches hautement qualifiées, et la machine pourrait là aussi remplacer l'homme. C'est une perspective très sombre, et cela montre aussi que l'industrie 4.0 ne présente pas que des avantages. Les agents de change des salles des marchés ne sont pas non plus à l'abri d'une automatisation de leur poste. Des algorithmes pourraient bientôt décider de l'achat et de la vente de produits financiers. Beaucoup d'entreprises sont trop lentes dans leur conversion à l'industrie 4.0. Les grandes entreprises s'y prennent plutôt bien, mais les petites ont beaucoup de mal et attendent qu'on les aide, ce qui est un tort. Pour moi, toute entreprise est le principal artisan de son succès. C'est donc à elle de s'emparer du sujet. Le consultant se rend dans une société qui a déjà entamé sa conversion. Je suis convaincu qu'à plus ou moins long terme, aucune entreprise industrielle ne pourra se soustraire à l'industrie 4.0. Je pense que bon nombre d'entre elles n'osent pas se lancer et n'ont pas encore déterminé le secteur sur lequel elles pourraient se concentrer. La tendance à automatiser certains postes de travail existait déjà avant l'apparition de l'industrie 4.0. Les processus de production comptent de plus en plus d'étapes de travail manuel qui sont vouées à disparaître. Et l'industrie 4.0 va accélérer cette tendance.
Nous sommes proactifs dans ce domaine. Nous souhaiterions qu'à l'avenir, nos machines soient directement connectées aux bourses de l'électricité, qui fixent les prix de l'énergie. De cette façon, nous pourrions gérer notre consommation d'énergie en fonction des tarifs et tirer le maximum de profit pour notre société. À l'avenir, les machines décideront seules du moment où elles doivent augmenter la production, à savoir pendant les heures creuses des fournisseurs d'électricité. Cette entreprise développe des systèmes de connectique et des modules de contrôle électronique servant à piloter des robots et à automatiser différentes unités de production. Dans le futur, j'imagine notre production reliée à un réseau mondial et connectée directement à nos clients et à nos fournisseurs. L'idéal serait de développer un système intelligent capable de se gérer seul. Ainsi, lorsqu'un client passera une commande, la machine se mettra en marche, pilotera seule la chaîne d'approvisionnement et en bout de parcours, le produit individualisé pourra être livré au client. Développer des systèmes intelligents, c'est justement le concept de Magazino, une start-up toute récente. Ici, on conçoit le premier entrepôt intelligent et automatisé au monde. La société est financée par de grands groupes qui ont souhaité investir dans cette voie prometteuse. Siemens s'est intéressé par des robots capables d'exécuter des tâches complexes dans des environnements non sécurisés. Nos robots sont notamment en mesure de prendre des objets posés sur des étagères dans un entrepôt. La question est de savoir s'il peut saisir un livre par le dessus et le sortir de l'étagère. Et s'il peut faire la même chose avec un carton. Nous fabriquons des robots qui agissent comme des hommes. Celui-ci passe dans les rayonnages, et là, il est capable de reconnaître seul les objets qui s'y trouvent et de les attraper. Et tout cela de façon dynamique. C'est ce qui en fait le robot du futur. Je vous donne un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'industrie automobile, les robots étaient en mesure de réaliser le même point de soudure au même endroit à l'infini. Ils le faisaient à la perfection, avec rapidité et précision. Mais il suffisait qu'on change la voiture de place pour qu'il soit perdu. Chez nous, les robots attrapent des ours en peluche. Ce sont des objets qui ne sont jamais totalement identiques et pas forcément dans la même position. Ils ne portent pas de code-barre, pas de radio-étiquette, rien. Ce qui est génial, c'est que si j'enseigne à un robot comment attraper un ours en peluche, il va transmettre ce savoir à d'autres robots, et ainsi de suite. Ce qui est important aussi, c'est que les robots et les humains partagent un même environnement. Le robot doit pouvoir cohabiter avec les humains sans les gêner, et donc ne pas exécuter la même tâche au même endroit et au même moment qu'eux. Je crois que ce n'est qu'un début. Nous exploitons le potentiel des technologies actuelles. Mais nous ne savons pas encore ce qui sera possible demain. Aujourd'hui, l'utilisation des caméras permet beaucoup de choses. On a commencé par apprendre aux robots à attraper des livres. Et aujourd'hui, il saisit des ours en peluche, des boîtes à chaussures. On progresse sans arrêt. Les robots sont de plus en plus efficaces. Les pinces articulées sont plus performantes. Les algorithmes de reconnaissance visuelle progressent. Je suis convaincu que les possibilités sont illimitées. Exact. Le port de Hambourg donne déjà un avant-goût de la numérisation dans les secteurs de la distribution et du transport des biens de consommation. Nous avons tiré parti des possibilités qu'offre le traitement de données pour gérer et piloter automatiquement des étapes du transport de marchandises qui étaient auparavant manuelles. Nous avons poussé l'automatisation du processus à un degré encore jamais atteint dans le domaine du transbordement de conteneurs.
Ici, le transport des marchandises du portique à conteneurs jusqu'au dépôt est entièrement pris en charge par des véhicules automatiques qui transportent des conteneurs pouvant peser jusqu'à 30 tonnes. Ils circulent par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, et même en plein brouillard. Je suis convaincu que dans 20 ans, le transport de conteneurs sera encore plus efficace. On assistera à la deuxième phase de l'automatisation. Le secteur du transport de marchandises va connaître la même évolution que le transport de passagers. Aujourd'hui, le voyageur effectue lui-même une partie des tâches. Il s'enregistre, il cherche sa place, il étiquette ses bagages. Le transport de marchandises connaîtra certainement le même sort. Le terminal à conteneurs d'Altenwerder à Hambourg est l'un des plus perfectionnés au monde. À l'avenir, d'autres infrastructures du même type seront installées aux quatre coins de la planète. Je suis de très près tout ce qui touche à l'industrie 4.0, ou plutôt au travail 4.0. Nous n'arriverons à rien si nous n'incluons pas toutes les personnes concernées dans le processus de réflexion. Je ne sais pas exactement où tout cela va nous mener. C'est pour cela que nous avons entamé un dialogue très suivi sur la base d'un livre vert. Cela permet à chacun de poser les questions qu'il souhaite avant que nous anticipions les réponses. Les entreprises doivent aussi faire partie de ce processus. Et je crains que le ton monte quand on abordera la question de ces nouvelles formes de travail. Parce qu'il faut nous assurer qu'elles ne profiteront pas seulement aux entreprises, mais aussi aux salariés. CrowdGuru n'emploie pas de salariés, mais rémunère des travailleurs indépendants d'un nouveau genre, les clickworkers. La société est spécialisée dans la production et la gestion de contenu sur Internet pour le compte d'entreprises. Sa particularité, chaque mission est divisée en une multitude de tâches accomplies par des dizaines de milliers d'internautes. Sur le principe du crowdsourcing, la production participative. Nous collaborons avec environ 35 000 gourous, comme nous les appelons. Ce sont des personnes qui effectuent des micro-tâches sur notre plateforme. Ils travaillent à la carte, c'est-à-dire qu'ils déterminent eux-mêmes où, quand et à quel rythme ils travaillent. Et ils peuvent également choisir le genre de mission qu'ils souhaitent accomplir. Ces travailleurs à domicile auraient peu de chances de trouver un emploi sur le marché du travail classique. Ils compilent des adresses ou des données, décrivent des produits ou comparent des prix. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines de milliers dans le monde. Leur avantage, des charges réduites au maximum et pas de salaire minimum. Nous essayons toujours d'évaluer à peu près le salaire horaire. Quand on effectue une tâche pendant une heure sans interruption, on atteint un taux horaire compris entre 9 et 12 euros, voire plus. Notre plus gros concurrent, c'est le progrès technologique. Actuellement, nous faisons faire certaines tâches par des humains, telles que la reconnaissance d'images, car elle nécessite une prise de décision. Nos collaborateurs doivent notamment taguer des images ou leur donner des mots-clés. Mais la technologie va encore progresser. Un jour, on développera un algorithme capable d'effectuer seul ce genre de tâches. En France, l'industrie 4.0 s'appelle l'industrie du futur. Il y a une question philosophique qui se pose. Est-ce que l'homme est en train de créer ce qui lui survivra, c'est-à-dire qu'il sera encore là quand l'homme aura disparu, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un prolongement avec lequel nous continuerons à vivre en bonne intelligence? Paul Jorion est anthropologue et spécialiste de la finance. Il s'intéresse depuis des décennies à la numérisation de l'économie.
À l'époque où moi j'étais chercheur en intelligence artificielle, c'était la fin des années 80, le tout début des années 90, nous avions l'impression qu'il y avait des obstacles. Il y avait des obstacles majeurs, il y avait des choses que nous ne pouvions pas résoudre. Mais au fil des années, ces choses ces goulots d'étranglement ont été résolus et petit à petit, tous les obstacles en fait ont été levés. On nous dit encore, oui, la singularité, c'est-à-dire le remplacement de l'homme par la machine. Par une machine qui fait mieux que lui ou qu'elle, la plupart de ces tâches, on nous dit, c'est encore assez éloigné dans l'avenir, mais en réalité, il y a des progrès qui sont faits tous les jours. Ça signifie que dans toutes les tâches humaines, absolument dans toutes, la machine le fera très bientôt mieux que nous. Et quand on vous dit oui, il reste encore ceci ou cela, en fait peut-être que ce n'est pas résolu aujourd'hui, mais ce sera résolu très rapidement, peut-être même demain. La côte ouest des États-Unis attire des cohortes de jeunes entrepreneurs. Parmi eux, beaucoup d'Européens qui rêvent de changer le monde avec leurs programmes informatiques. Quand je suis arrivé aux États-Unis, mes parents et mes amis m'ont demandé comment je me sentais là-bas. Et la première chose que je leur ai dite, c'est « j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place ». Si j'ai eu ce sentiment, c'est parce qu'ici, une foule de personnes partagent le même point de vue et aspirent à une même chose, réussir et créer une entreprise capable de changer le monde. Les gens viennent des quatre coins du globe et tout le monde partage un même état d'esprit. C'est de là qu'est né Compass. Compass est un logiciel qui remplace les analystes financiers au sein d'une entreprise. On peut se le représenter un peu comme un médecin automatisé pour les entreprises. On lui confie toutes les données d'une société, il les épluche, et à partir de là, il pose son diagnostic et établit un rapport sur l'état de santé de l'entreprise. Il va ainsi déterminer son positionnement et signaler ses points faibles et ses points forts. Cette analyse va alors aider la société à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire à investir son temps et son argent là où elle en a besoin. Nous sommes sur le point de vivre un grand changement structurel qui va bouleverser nos repères socio-économiques. Et notre entreprise prend part à ce changement. Au cours de ce processus, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Ils vont devoir se reconvertir, trouver un autre métier. Actuellement, une partie de la population est persuadée de pouvoir décrocher un emploi sûr parce qu'elle fait des études supérieures. Alors forcément, quand ces personnes verront leurs espoirs brisés, ce sera certainement très dur pour elles. Ce changement structurel aura beaucoup d'effets positifs, mais aussi des aspects négatifs. Joe Schoendorf habite dans le vignoble californien. Il est l'un des plus grands investisseurs de la Silicon Valley. On a tendance à réduire la portée de la révolution industrielle 4.0. On parle des robots qui vont remplacer les ouvriers dans les usines, et globalement c'est juste, mais le défi ne s'arrête pas là. En ce moment, l'intelligence des ordinateurs est telle que ces derniers sont capables de remplacer non seulement les ouvriers, mais aussi les cadres, les cols blancs. Ce dont nous avons besoin, c'est de repenser tout le système. La révolution industrielle ne représente qu'une partie du défi auquel nous sommes confrontés. Selon moi, nous sommes en train de vivre une véritable révolution économique globale. Joe Schoendorf fait partie du comité exécutif du Forum économique mondial de Davos. Selon lui, la révolution qui s'annonce ne condamne pas seulement des millions d'emplois, mais aussi de nombreuses multinationales. De grands groupes vont disparaître. Prenez par exemple le Dow Jones, l'indice boursier américain. À l'heure actuelle, l'indice comprend 30 entreprises, mais à sa création, à la fin du 19e siècle, il en comptait 12. Toutes ont disparu sauf une, General Electric. D'ici 10 ans, un tiers des plus grandes multinationales auront disparu.
Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, a eu ce mot fameux. Cher secteur bancaire, méfie-toi. La Silicon Valley va venir t'ôter le pain de la bouche. Dans cette phrase, on pourrait remplacer les banques par n'importe quel secteur économique. La branche qui doit nous inquiéter le plus, c'est l'industrie automobile. C'est là qu'on va voir le plus de changements dans la décennie qui vient. Aujourd'hui, les gens se moquent de Tesla, mais rira bien qui rira le dernier. Ce que fait cette équipe d'ingénieurs est d'une importance capitale. Dans l'usine automobile la plus avancée au monde, la révolution 4.0 prend la forme de bras robotisés rouges. Certains d'entre eux ont même des surnoms de super-héros. Tesla s'est développé dans l'indifférence, ou parfois sous le regard amusé des grands constructeurs européens. Mais maintenant, pendant que les géants de l'automobile épuisent un modèle économique en bout de course et n'hésitent pas à manipuler la valeur des gaz d'échappement de leur modèle, les chaînes de production entièrement automatisées de Tesla façonnent la voiture du futur. Si la Silicon Valley est le paradis des entreprises à très haute valeur ajoutée, elle n'est pas nécessairement celui de ceux qui y travaillent. À San Francisco, on voit passer les énormes bus Google dans les rues à partir de 7h30. Il y a toujours une quinzaine de personnes qui attendent sous l'abri bus. Ils patientent là sans se parler, et dans leur bus privé, ils se mettent déjà à travailler. Et puis le bus les ramène. On sent beaucoup de mélancolie dans tout ça, et assez peu de joie. La Silicon Valley est la pépinière de l'économie numérique. Un lieu qui, selon Tim Leberecht, serait bien plus attrayant si l'on y cultivait des ressources propres à l'homme et non aux machines. Directeur de marketing, Tim Leberecht est membre du Conseil des valeurs du Forum économique mondial. Il vit depuis plusieurs années à San Francisco. La tendance forte dans la Silicon Valley et dans l'économie en général, c'est de tout quantifier. Le but est de pouvoir contrôler toutes les variables afin de mieux diriger les entreprises. On vit vraiment sous le règne de l'optimisation et de la productivité à tout crin. Au fond, la Silicon Valley est une sorte de machine à résoudre les problèmes. L'idée est que tout problème, qu'il soit social, politique ou humain, peut être résolu. Il suffit d'avoir recours à la technologie la plus efficace possible. Mais avec l'automatisation et l'avènement de la quatrième révolution industrielle, la créativité, l'intuition, l'empathie, le romantisme seront bien plus nécessaires. Si on essaie de se mesurer aux machines, à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, à la robotique, etc., et que nos seuls critères de jugement sont des indicateurs de performance, comme l'efficacité et l'augmentation de la productivité, on a perdu d'avance. On sera forcément dépassé. Et pour finir, on deviendra superflu, comme beaucoup d'études le prédisent. Par contre, si les entreprises laissaient de la place à la créativité, à l'intuition et aux différentes individualités, si elles acceptaient dans une certaine mesure de moins contrôler les choses, je suis convaincu qu'on pourrait créer une culture d'entreprise humaine. Celle-ci sera non seulement plus plaisante, parce que plus adaptée à l'homme, et plus ouverte à l'expression de chacun, mais elle sera aussi le gage d'une plus grande réussite économique. Au sein de Google, un employé à temps plein transcrit les sagesses, les traditions et les rites des grandes religions du monde. L'idée est de savoir ce que Google peut apprendre d'elle, ce qu'elles peuvent lui apporter. Que peut enseigner l'islam, le christianisme ou le judaïsme à l'entreprise? C'est une sorte d'autorité théologique. Je crois que nous vivons à une époque où tout est instrumentalisé, où l'économie est toute puissante. Nous traversons un processus de transformation douloureux. Mais j'espère qu'à la fin, on redécouvrira la valeur des sciences humaines et qu'on redonnera toute leur importance à ces disciplines,
ainsi qu'aux arts. Personne ne s'attend à me voir. Je me pose quelque part sur une place que j'ai choisie. Les passants sont d'abord interloqués, et puis, si tout va bien, ils sont touchés et finissent par se prêter au jeu. Je me balade partout en Allemagne et en Europe avec mon piano. Je vais vous jouer un morceau assez doux de mon CD, First Sunlight. J'aime jouer pour les gens et voir que ça les touche, qu'ils oublient peut-être un peu le stress du quotidien. C'est l'effet que procure ma musique. C'est une belle expérience pour les spectateurs et pour moi, parce que j'ai l'impression de changer quelque chose dans leur vie, même si ce n'est qu'un détail. C'est un métier qui m'apporte beaucoup de bonheur. Je me sens pleinement épanoui dans ce travail et heureux. Ces travailleurs du futur sont les nomades numériques. Ils ont quitté le monde du travail quotidien. Salut à tous, bienvenue à Berlin et au DNX. Un nomade numérique, c'est un travailleur mobile et connecté qui gagne sa vie grâce à Internet et aux possibilités du numérique. En général, on est indépendant et on travaille sur des projets qu'on a nous-mêmes initiés. On a la possibilité d'emmener notre travail où qu'on aille. On ne se sent plus en phase avec ce qui se passe ici en Allemagne, où toutes les vies sont déterminées par le travail. Nous, on a envie de faire quelque chose qui nous rend heureux. Cette année, pour la première fois, nous aurons passé plus de temps en déplacement qu'ici. La nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail est éprise de liberté. Elle ne s'intéresse pas trop au statut social ou au titre ronflant, aux belles voitures. Elle ne veut pas d'attache. Ce qui va compter à l'avenir, c'est la flexibilité et l'épanouissement personnel grâce à Internet. Le principe, c'est de proposer et de porter ses propres idées, sans générer de coûts fixes élevés, et de gagner sa vie comme ça. Pour les entreprises, à terme, cette situation va poser problème parce que les gens compétents auront d'autres projets et leur feront défaut. Quand vous avez trouvé un négociant, il faut commander un échantillon, autrement dit un sample. Je gagne ma vie en vendant des articles sur Amazon, des ustensiles de cuisine ou du matériel pour les animaux domestiques. Ça va de la laisse pour chien à la pince à gâteau et à la spatule. En fait, je tiens un peu un bazar numérique. J'achète principalement mes produits en Asie. En général, je contacte un fabricant par le biais d'une plateforme qui s'appelle Alibaba.com, qui réalise un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui d'Amazon. Elle propose pas moins de 400 millions d'articles. Du coup, ce n'est pas difficile de trouver des produits qui correspondent à ce qu'on cherche. Et ces objets peuvent être personnalisés avec votre logo. Pour cela, je demande à un graphiste indépendant de me créer un logo. Je l'envoie ensuite par email au fabricant en lui disant « Je veux ce logo dans telle couleur sur l'emballage de tel produit ». Et il envoie la marchandise directement au centre logistique d'Amazon. Le produit emprunte alors le parcours normal de toute commande faite sur Amazon. Les marchandises sont enlevées dans le dépôt, empaquetées et livrées le lendemain chez les clients. Je pourrais aller 5 fois par jour à la poste et envoyer moi-même 30 à 50 paquets. Mais ça représente un travail énorme. C'est le service de livraison d'Amazon qui s'occupe de tout le processus d'envoi. Je ne travaille pas forcément du lundi au vendredi. J'emmène mon ordinateur portable où je veux et quand je veux. Pour moi, bien sûr, c'est du travail. Mais c'est aussi une liberté. Quand j'avais 15 ans, un conseiller d'orientation est venu nous voir en classe. Il nous a fait tout un discours sur l'importance d'avoir de bonnes notes et de suivre un beau parcours linéaire.
Il a surtout insisté sur le fait qu'il fallait toujours prendre des décisions cohérentes pour avoir un CV bien rectiligne, sans aucun trou. Le but, bien sûr, c'était de devenir quelqu'un susceptible d'être embauché. Et je ne sais pas pourquoi, mais déjà à ce moment-là, je savais que ce n'était pas pour moi. It's Startup Diaries. We're Fab and Dom. We escaped our office, packed up our business, and hopped into a Land Rover with our friend Vin. Our mission: travel through South America and meet people who use technology to redefine work. Sur un coup de tête, on a décidé de quitter notre bureau et pendant plusieurs mois, on a sillonné l'Amérique du Sud pour rencontrer des gens aussi fêlés que nous. Le tout en dirigeant notre société depuis la Officina, notre bon vieux 4x4 qui nous servait à la fois de bureau mobile, d'hôtel et de moyen de transport. Je gagne ma vie grâce à la société que j'ai fondée et dont je suis le PDG. Nous aidons d'autres sociétés à améliorer leurs services clients. Avec mon collaborateur et un autre ami, on a parcouru 20 000 km en Amérique du Sud en 8 mois. On a travaillé dans des stations-service, des auberges de jeunesse, des cafés, tout en gérant notre société. I'm doing this data migration for an online casino in Las Vegas. And it's just a fun feeling to do it in this environment. So this is really digital nomad at its best. Being a digital nomad. Où qu'il arrive, le nomade numérique va d'abord chercher une connexion Internet. On a trouvé du Wi-Fi partout à Buenos Aires. C'est assez agréable de savoir qu'on peut rester connecté n'importe où. Yes. Movistar, we got an e-connection, that's like really super slow edge internet, but we have 3 dots for the phone connection. This is a scoping call for data migration. And loudspeaker on. Notre seule contrainte, c'est d'avoir accès à Internet. Après, qu'on soit dans le désert du Pérou ou ici, dans nos bureaux de Berlin, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où on a une connexion, on pourrait se trouver dans un bidonville de Namibie ou à Wall Street, c'est pareil. En théorie, je peux suivre le même parcours universitaire qu'un étudiant de Harvard, du MIT ou de Yale, parce qu'on peut suivre tous leurs cours gratis sur Internet. Il faut montrer aux gens, aux enfants et aux jeunes qu'il est possible de faire ce genre de choses. Et que les fiches du conseiller d'orientation ont besoin d'être actualisées. J'ai lancé mon blog de coaching en ligne il y a un mois. Je connais des tas de gens qui n'arrivent pas à se trouver, à savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est du coaching personnel. À partir de ma structure actuelle, je vais lancer une activité dans le domaine virtuel. Ça va me permettre de me positionner également comme expert et conférencier, comme vous le voyez sur ma carte, avec toutes les déclinaisons possibles en ligne, blog, podcast, cours en ligne sur support vidéo, etc. D'ici 5 ans, je pense qu'un million de personnes l'utiliseront. Je vois très grand. Mon projet est peut-être utopique, mais c'est bien de viser très haut. Ce sont les travailleurs rêvés de l'économie numérique. Le nomade numérique est indépendant, mobile, et il gère lui-même ses cotisations sociales. Il passe d'un projet à l'autre au gré des occasions et des rencontres. Dans ce nouveau monde du travail, le virtuel et Internet forment la base de son revenu. De tous les pays industrialisés, c'est au Japon que la société du travail a subi les transformations les plus profondes. Autrefois, pour une grande entreprise nippone, garantir un emploi à vie à ses salariés était une affaire d'honneur. Mais ce genre de situation professionnelle semble appelé à disparaître. Mais pour les Japonais, avoir un emploi reste aussi une question d'honneur. Pour être reconnu par la société, il faut pouvoir y apporter sa contribution. Certains salariés s'exposent ainsi à une pression professionnelle qui peut s'avérer destructrice. Par loyauté pour leur entreprise, ils passent l'essentiel de leur journée sur leur lieu de travail, renoncent à leurs vacances et travaillent même en cas de maladie. Karoshi est le terme japonais qui désigne la mort par excès de travail.
Dans l'indifférence, le gouvernement nippon mise depuis longtemps sur une autre main-d'œuvre. Son programme de soutien à l'automatisation a été nommé « Révolution des robots ». Encourager les entreprises nippones à venir s'établir en Allemagne, tel est l'objectif de Georg Löhr. Au début, l'expression « industrie 4.0 » a provoqué une sorte de sidération chez les Japonais. Ils ont pensé qu'il s'agissait de quelque chose de totalement nouveau, qu'on ne comprend pas encore très bien et dont on ne peut pas appréhender les répercussions à long terme pour le pays. Dans les journaux, cette inquiétude a donné lieu à des gros titres tels que « Qui sera le prochain gagnant ? Les États-Unis, l'Allemagne ou l'Inde ?» À présent, la situation est plus détendue. Quand on voit tout ce qui a été réalisé au Japon ces dernières années, y compris dans le domaine du génie mécanique, et ce que ce pays propose, entre autres en termes d'informatique, je pense que les Japonais n'ont pas de souci à se faire. Dans de nombreuses entreprises japonaises, des humains sont déjà supplantés par des robots. Il ne leur reste qu'à accomplir les gestes que les machines ne peuvent pas encore faire. Pour les firmes nippones, l'industrie 4.0 est avant tout un argument de vente inventé par la concurrence européenne. L'industrie 4.0 est un concept très proche de notre e-factory que nous développons depuis 2003. Il me semble qu'à l'heure actuelle, nous sommes leaders dans le domaine des systèmes de production automatisés. L'Allemagne et le Japon devraient appréhender de nombreux aspects ensemble. Il n'existe pas encore de réglementation internationale sur la question de la propriété des données. À qui appartiennent les données? C'est un sujet qui nous concerne tous. De même que les questions sur la sécurité, sur les interfaces ou sur l'organisation des transmissions de données. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. La sécurité des données, la protection contre les cyberattaques et les tentatives de manipulation, un problème qui reste à résoudre à l'échelle mondiale. Pour l'instant, la quatrième révolution industrielle est protégée par des barbelés et des caméras de surveillance. De plus en plus d'entreprises envoient leurs données vers les ordinateurs du cloud pour que leurs partenaires extérieurs puissent y accéder et que les différents sites de production et leurs machines soient interconnectés. C'est à Francfort que se trouve le plus grand complexe haute sécurité d'Europe dédié au stockage des données d'entreprises. La sécurité est évidemment cruciale pour le succès de l'industrie 4.0 et de la révolution numérique en général. La sécurité physique, mais aussi la sécurité logique, c'est-à-dire la protection des données, y compris contre les attaques venues d'Internet. Si l'on veut attirer des industries en Allemagne, il faut renforcer l'infrastructure numérique et la mettre à disposition. Et il en va de même pour les données. Des armoires remplies d'ordinateurs dans des hangars aussi grands que des terrains de football. C'est cela, le cloud, le nuage. Pour ses exploitants, l'Allemagne se doit de rester attractive, ne serait-ce que pour la sécurisation des données. Les prix trop élevés de l'énergie poussent les investisseurs à quitter le pays, ce qui fait que l'intelligence des données censées être stockées ici est également transférée à l'étranger. Si l'on veut que l'industrie du futur grandisse et prospère dans ce pays, il faut veiller à ce que l'infrastructure numérique indispensable reste sur place. L'avenir de ce site dépend lui aussi des décisions prises par les dirigeants politiques et économiques au sujet de l'Internet des objets et de l'industrie 4.0. Autrefois, la Ruhr constituait le cœur de l'Allemagne industrielle et était l'une des premières zones à forte concentration urbaine d'Europe. En quelques décennies à peine,
elle a perdu son statut de fer de lance de la société industrielle classique. Cette usine employait autrefois 20 000 personnes. Un jour, elles n'ont plus été que 10 000, puis 5 000, jusqu'à ce qu'en 2014, les 3 500 derniers employés soient licenciés. Dans la Roure, il n'y a pas que les ateliers de production d'Opel qui se sont mués en coquilles vides. Le taux de chômage officiel est de 11%, mais beaucoup des actifs ne parviennent pas à vivre de leur travail. Autrefois marquée par les mines et la sidérurgie, la Roure traverse une grave crise structurelle depuis plusieurs dizaines d'années. Ici, l'industrie 4.0 est avant tout synonyme de nouveaux défis. Depuis une chute de cheval, Jana Regenbrecht est clouée sur un fauteuil roulant. Pour faire travailler les muscles de ses jambes, elle se rend régulièrement dans la succursale d'une entreprise japonaise. Cyberdyne développe et fabrique des machines dotées de l'intelligence artificielle. Le partenaire d'entraînement de Jana Regenbrecht est un robot capable de lire dans ses pensées. Il est là pour l'aider à se servir de ses jambes. Au début, il ne se passait pas grand-chose. Mes jambes ne bougeaient pas du tout et je ne sentais strictement rien. Mais grâce à cet entraînement, j'ai fait d'énormes progrès. Je suis à nouveau autonome au quotidien. J'ai retrouvé mon dynamisme, je participe à diverses activités et je peux faire des choses toute seule. Je suis capable de prendre un objet dans un placard, ce qui est un énorme soulagement. Je peux mettre mon fauteuil roulant dans la voiture toute seule, me tenir à la voiture et me déplacer par moi-même. Aujourd'hui, on forme un super duo, le robot et moi. Un excellent travail d'équipe. Lorsque Jana veut faire un pas, son cerveau envoie un signal au robot. Il accompagne chaque mouvement qu'elle n'est pas encore capable de réaliser seule. Ce système repose sur le principe que l'on peut utiliser les signaux nerveux pour faire fonctionner un robot. Dans le secteur industriel, il existe une multitude d'applications possibles. Un de nos dispositifs actuellement en phase de test propose un soutien dorsal. La demande existe, notamment dans l'industrie automobile. Ce système pourrait équiper les postes de travail qui demandent de gros efforts physiques. Il assisterait et soulagerait les employés au niveau lombaire. Bien sûr, se pose la question de l'usage militaire. Les Américains ont d'ores et déjà testé un système qui permet de transporter de lourdes charges en montagne. Un robot qui assiste et renforce la mécanique du corps humain augmente bien entendu la possibilité de porter des objets lourds, par exemple des armes. Ce robot n'a pas été pensé pour cela. D'ailleurs, jusqu'à présent, notre maison mère au Japon a toujours refusé toute demande de ce type. En France, le gouvernement mise sur un programme de soutien au développement de la robotique, principalement dans le secteur des services. La société SoftBank Robotics, anciennement Aldébaran, a mis au point le robot le plus perfectionné d'Europe. Je ne sais pas encore te serrer la main, désolé, mais on peut se faire coucou. Ok. Tape-moi en 5. Top là. Nickel. Tape-moi en point. Check, c'est mon pote. Nickel. Tiens. J'analyse cela. Ok, je vois un objet de couleur presque gris clair. Très bien. Mais on dirait une petite bouteille de lait. Absolument. C'est toujours la même bouteille qu'on te montre, hein, c'est pour ça. Ce qui nous intéresse dans cette intelligence artificielle, c'est qu'elle perçoive mieux mon état d'esprit, qu'elle perçoive mieux mon émotion, et donc que le robot s'adapte mieux à mon état actuel, à mes besoins. Donc c'est vraiment un outil qui est à notre service. C'est pour ça le fait que voilà, quand on dit un jour l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'homme, par certains côtés elle l'est déjà, hormis le fait qu'elle nous bat au go, aux échecs, mais calcule des choses qu'on est absolument incapable de calculer déjà depuis très longtemps. Est-ce que je peux avoir du jus d'orange, s'il te plaît ?
Il faut vraiment garder cette intelligence artificielle comme un outil qui sera de plus en plus simple à utiliser et de plus en plus performant et dont la particularité, cette intelligence marchera vraiment bien quand on pourra vraiment la dominer, c'est-à-dire que c'est nous qui savons lui dire exactement ce qu'on veut qu'elle trouve et ce sur quoi on veut qu'elle travaille. Que puis-je faire pour toi ? On va se promener ? Je ne vois pas de problème, c'est peut-être dans ta tête. On va se promener ? C'est toi qui décides. Bah donc ce sont des robots, nous ce dont on rêve c'est que ce soit des robots qui nous connaissent. En fait, on voudrait passer d'un robot aujourd'hui qui est comme quand tout marchera bien déjà, un esclave auquel on donne des ordres, à un robot qui sera un compagnon dans le sens, il va prévenir nos besoins. Voilà, vous êtes à table un dimanche midi avec toute la famille, et la famille s'amuse bien, discute entre elles, et vous arrivez, j'arrive, j'ai fait un bon plat dans une grosse marmite, et au moment où je posais la marmite sur la table est très occupée, et comme tout le monde discute ensemble, personne ne fait attention à moi. Le robot va me voir, il va comprendre mon intention, il va comprendre que je veux poser ma marmite sur la table, il va voir le problème que j'ai avec la table, et donc il va lui-même écarter les objets. Voilà, c'est ce type de comportement qu'on voudrait, un robot qui comprend mon problème, qui comprend mes besoins et qui est capable d'apporter le bon service au bon moment. C'est exactement ça l'avenir de la robotique que nous visons. Bravo. Je veux venir avec toi. Si je suis trop rapide, tu peux m'arrêter en me touchant la tête. Tiens, prends ma main. En avant, pense à me ramener ici à la fin de la balade. Lorsque Henning Kagerman, président de l'Académie des sciences techniques et lobbyiste très influent, se rend dans le quartier des institutions à Berlin, c'est presque toujours pour promouvoir le projet Industrie 4.0 et chercher le soutien de la classe politique. Je pense qu'il est important d'aborder certains thèmes avec les bons arguments et aux bons endroits dans la sphère politique. De cette façon, nos recommandations sont bien accueillies et nous pouvons créer des liens entre les différents groupes d'intérêt au sein de la société. La première présentation que j'ai faite devant la Confédération allemande des syndicats au sujet de l'industrie 4.0 n'a pas été une partie de plaisir. Mais aujourd'hui, les syndicats veulent s'impliquer. Ils savent que leurs intérêts sont menacés. Mais comme nous les avons inclus d'emblée, ils sont persuadés de pouvoir influer pour aller dans la bonne direction. Et nous les confortons dans cette idée. Je pense que nous avons su faire appel aux principaux groupes d'intérêt. Assez tôt, nous nous sommes rendus compte que nous avions été entendus par de nombreux partis politiques. J'ai moi-même soumis nos idées à trois formations et j'ai eu le sentiment que chacun pouvait y trouver son compte. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un sujet pertinent, quelle que soit la situation politique. Bien sûr, il y a toujours des opposants à ce genre de projet. Mais par ici, je crois que nous ne comptons plus de véritables ennemis. Henning Kagerman est à l'origine de la plateforme Industrie 4.0. À laquelle des groupes d'entreprises, des syndicats et des ministères se sont joints. La ministre allemande de la Recherche, Johanna Vanka, est elle aussi favorable à une progression de l'industrie 4.0, même si elle reconnaît que cela peut faire peur. Dans nos laboratoires et nos centres de recherche, j'ai été témoin d'une nouvelle forme d'interaction homme-machine. C'est formidable, dans le sens où cela peut aussi contribuer à apaiser les peurs. Car ces peurs existent. Prenez quelqu'un qui construit des machines, qui a appris ce métier et l'a exercé pendant des années. Il s'inquiète forcément quand le monde entier parle de révolution industrielle et de changement inévitable. Il se demande si ses qualifications seront encore valables dans 10 ou 15 ans, ou même avant. Cela ne concerne pas seulement quelques cas isolés, mais l'intégralité du volume de travail.
Personnellement, je ne crois pas que nous serons dominés par les robots ou que nous deviendrons des êtres interchangeables. Par contre, l'important est que l'humain est capable de prendre des décisions de lui-même. Il est capable de choisir ce qu'il souhaite et ne souhaite pas. Et donc, de ne pas laisser ses visions d'angoisse s'insinuer en lui. Dans ses cours, le professeur Andreas Zuska, ingénieur en génie mécanique, critique les pionniers de l'industrie 4.0. Selon lui, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur réflexion concernant le rôle de l'humain. On fourmille d'idées sur ce que l'industrie 4.0 est censée pouvoir réaliser. Et l'homme est le chef d'orchestre de la chaîne de création de valeur. Il faut l'imaginer diriger à la baguette le flux des matériaux et les machines, mais aussi d'autres humains. Dans l'industrie 4.0, rien ne laisse à penser que l'humain va cesser d'être un facteur de production, un facteur dispositif. Bien au contraire. Ce que les protagonistes de l'industrie 4.0, eux-mêmes venus du secteur du génie mécanique, nous expliquent, c'est que l'objet à construire requiert ses propres ressources et se ferait un chemin à travers l'usine de façon autonome. Ces ressources, ce ne sont pas seulement des machines, ce sont aussi des humains. Et ils doivent s'habituer à ne plus recevoir leurs instructions d'une autre personne, mais d'un objet. Comment peut-on comparer ce phénomène à la direction d'un orchestre? C'est le mystère. Mais, comme je vous le disais, les gens se réjouissent trop vite. En effet, les systèmes sont configurés de telle façon que, grâce aux données dont ils sont bombardés, ils peuvent réaliser des actions très intelligentes, notamment identifier des schémas et des règles. Les systèmes sont de plus en plus malins, et un jour, ils n'auront plus besoin de chef d'orchestre. L'orchestre jouera tout seul. C'est une question de pouvoir. Le développement technologique est toujours lié au pouvoir. Avec sa société, Yvonne Hofstetter s'est spécialisée dans l'exploitation intelligente des données en masse. Elle sait à quelle fin la révolution numérique peut aussi être employée. Les cerveaux numériques vont de pair avec la surveillance. L'un ne va pas sans l'autre. Cette surveillance a pour but de déterminer quelles sont vos intentions. Et pour y parvenir, il suffit dès aujourd'hui d'un simple moteur de recherche. En optant pour le numérique, je me retrouve entre les mains d'entités qui détiennent le pouvoir. Elles disposent de mes données, connaissent mes intentions et maîtrisent les technologies qui leur permettent de m'inciter à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose. Actuellement, la révolution numérique s'abat sur une société plutôt vieillotte et détraquée. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Mais dans cette nouvelle ère, nous n'avons toujours pas trouvé le nouvel être humain, ni notre nouvelle société. La révolution numérique est en train de balayer tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Les ordinateurs et les systèmes d'information numérique ne changent pas seulement le cadre de vie des humains. Ils modifient aussi l'humain en lui-même, ainsi que sa relation avec la machine. Ce qui a autrefois été pensé comme un moyen de communication, un outil de contact de personne à personne, s'est mué en un véritable compagnon de vie. Depuis longtemps, monde réel et monde virtuel, réalité et cyberespace se confondent dans les consciences. De même, l'intelligence humaine finira par se mêler à l'intelligence artificielle, jusqu'à ce qu'un jour, on ne puisse plus les dissocier. L'homme doit se relier à l'ordinateur. Dans les départements de recherche des groupes Internet et les laboratoires des développeurs, la question n'est pas de savoir si, mais quand la machine deviendra humaine. Abolir la distance entre homme et machine, tel est l'objectif de celui que l'on considère comme l'une des stars mondiales de la robotique. À l'université d'Osaka, il travaille au développement d'une intelligence artificielle censée être un jour impossible à distinguer de l'intelligence humaine.
Cela vaut aussi pour l'aspect extérieur du robot, censé faciliter le rapprochement. こんにちは。私は大阪大学の石黒です。今日は残念ながら不在ですが、明日東京におりますので東京でお会いしましょう。 Jusqu'à présent, à première vue, les gens ont toujours cru qu'il s'agissait de moi. Malgré toutes les différences que ma copie robotique peut avoir avec un humain, il est assez difficile de reconnaître qui est qui. Quelle est la différence fondamentale entre un humain et un robot? On a tendance à considérer que ce qui caractérise le mieux l'humain, c'est un corps de chair et de sang. Mais ce n'est pas vrai. Après tout, nous acceptons aussi une personne pourvue d'un bras ou d'une jambe artificielle. Cela veut bien dire qu'un corps biologique n'est pas une condition indispensable pour être humain. Dans les laboratoires d'Hiroshi Ishiguro, les chercheurs travaillent sur une machine intelligente qui apprend seule et qui, à la fin de son évolution, devrait agir de manière entièrement autonome, comme un humain. Voici la petite dernière, un androïde conçu à l'image d'une jeune femme. Il est clair qu'un jour, nous développerons des robots qui s'apparenteront à des humains. Suivant le cas, on pourra télécharger différents logiciels avec lesquels le robot travaillera. Ce n'est pas difficile d'implanter des sentiments à un robot. Certains seront même dotés d'une conscience humaine. Quand nous serons plus proches des robots, nos relations seront semblables à celles que nous entretenons avec les humains. Je suis persuadé que nous accepterons les robots comme faisant partie de notre vie, comme conjoints ou amis. La question est de savoir quand nous aurons une société de robots. Je pense que cela arrivera dans les 3 à 5 ans à venir. À Tokyo, un institut allemand observe de près l'évolution de la société du travail au Japon. Le Japon est face à un défi démographique majeur. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre et aussi de consommateurs, cela va de soi. Mais pour pouvoir maintenir une société vieillissante à un niveau de vie acceptable, il faut soit de la main-d'œuvre étrangère, soit une plus forte intégration des femmes sur le marché du travail, soit des robots. Et au Japon, il semblerait que les robots passent avant les femmes et les étrangers. On a le sentiment qu'on peut les intégrer plus facilement dans le système. Et ils ne font pas l'objet de préjugés. Il y a sans doute des raisons culturelles à cela. La question est abordée de façon très pragmatique. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Avec qui la communication fonctionnera-t-elle le mieux? Un robot me comprendra-t-il mieux qu'un étranger? Selon le shintoïsme, l'une des religions nippones, toute chose est pourvue d'une âme. Alors pourquoi pas les robots? La question est de savoir jusqu'où intégrer la robotique ou l'intelligence artificielle, jusqu'où la développer. On va certainement optimiser l'interface homme-machine et réaliser des progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle au sens large. Si la situation évolue dans ce sens, cela promet un débat très animé.
Le problème de la robotisation de la société, c'est que l'on n'empêche pas l'isolement de l'individu. Au contraire, on le favorise. Mais encore faut-il définir la solitude. Si je suis en présence d'un robot, est-ce que je me sens encore seul? Ce qui importe, n'est-ce pas davantage ce que je ressens que l'impression que je transmets? En fin de compte, c'est surtout l'image de soi qui doit changer. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce que la communication, la vie sociale? Ce sont autant de concepts qu'il faudra revoir et que l'on aborde de manière nettement plus pragmatique au Japon. Wolf-Dieter Lucas, du ministère allemand de la Recherche, se rend au siège du groupe Siemens, à l'une des réunions habituelles de la plateforme Industrie 4.0. Ici, nous réfléchissons ensemble à la façon dont la politique et l'économie peuvent faire avancer l'Industrie 4.0. Politique, économistes et syndicats négocient la quatrième révolution industrielle. Une révolution s'accompagne toujours de conflits et de luttes. Nous voulons les mettre ici sur la table et y trouver des solutions maintenant, au lieu de les repousser à plus tard. Soyez les bienvenus à Siemens, à la réunion de notre cercle de pilotage. Dès le début, il convient de vous avertir du caractère pré-concurrentiel de cette rencontre. Les acteurs politiques et économiques sont tout à fait d'accord sur la répartition des rôles. Les entreprises doivent viser la réussite économique. La classe politique, elle, est responsable des conditions cadres qui régissent nos actions. Loin de nous l'idée de vouloir peser sur ces décisions. Mais nous tenons à sensibiliser les dirigeants politiques aux besoins qui sont les nôtres en termes de réglementation. Des options différentes peuvent avoir des répercussions différentes. Je suis ouverte à la flexibilité et à de nouveaux compromis. Ce serait une erreur de penser que tout doit rester tel quel. En revanche, j'aimerais trouver de nouveaux accords pour créer des conditions équitables. Et selon moi, le salaire minimum en fait partie. Il faut aussi veiller à ce que les contrats établis par les employeurs soient propres et ne servent pas à une quelconque forme d'exploitation. Le travail temporaire et intérimaire ne doit pas revêtir un caractère permanent. Pour moi, il s'agit de critères de base. Ceux qui les enfreignent ne portent pas seulement atteinte au ministère du Travail et à sa ministre, mais carrément à l'état de droit. Pour le cabinet de consultants Roland Berger, la révolution numérique est trop lente. Il estime que l'Europe doit investir 1350 milliards d'euros dans l'industrie 4.0 si elle ne veut pas se retrouver à la traîne de l'économie mondiale. Lors d'une vidéoconférence avec l'antenne parisienne, les Allemands demandent à leurs collègues ce que les entreprises françaises pensent de l'industrie 4.0. Nous avons réalisé un sondage parmi de petites entreprises françaises pour connaître leur opinion au sujet des nouvelles technologies. Ce qui en ressort, c'est qu'elles hésitent à investir dans les nouvelles technologies. Elles invoquent notamment un climat politique incertain. À cela s'ajoute le fait qu'en France, l'industrie 4.0 est avant tout considérée sous l'angle de l'automatisation, qui implique que les humains vont être remplacés. C'est une des raisons pour lesquelles il y a souvent des grèves. En France, la peur d'être supplanté par les machines est très présente. Lors des réflexions sur l'industrie 4.0, notre équipe doit tenir compte de cette problématique. Chers collègues, merci d'avoir été présents aujourd'hui. Pour les consultants, cette réserve de la part des PME françaises n'a rien de nouveau. Comme en Allemagne, ce sont les grandes sociétés qui dictent le rythme de la révolution numérique, avec des conséquences dramatiques sur la classe moyenne de l'Hexagone. Chez Roland Berger, à Paris, Hakim El-Karoui a une vision de l'industrie 4.0 très différente de celle de ses collègues d'Outre-Rhin. C'est un sujet politique, c'est pas un sujet économique. C'est un sujet de fragmentation de la société.
Selon son analyse, un cinquième des emplois seront automatisés au cours des 10 prochaines années, soit 3 millions de postes en France. Aujourd'hui, on a une stratification entre l'élite, la classe moyenne, milieu populaire. Pour ce consultant en stratégie économique, le développement technologique va susciter des rejets, mais aussi et surtout de nouveaux conflits sociaux. En France, la désindustrialisation a eu un impact très important sur le monde ouvrier. Les ouvriers n'ont pas disparu, ils sont toujours nombreux, mais ils sont beaucoup moins présents qu'avant. Et surtout, ils sont beaucoup moins organisés et ils travaillent beaucoup moins dans des grandes entreprises. Ce qui va se passer avec la robotisation, c'est que ce mouvement-là va continuer. Les secteurs industriels vont employer de moins en moins de main-d'œuvre. Mais la grande nouveauté, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les milieux populaires. La grande nouveauté, c'est la classe moyenne. Et quand ça touche les cols blancs, et pas seulement les cols bleus, les cols blancs, c'est les gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont une capacité d'analyse intellectuelle, etc., qui est importante. Si du jour au lendemain, ils se retrouvent déclassés, ils se rebellent. Regardez ce qui se passe en France. Aujourd'hui, en France, le Front National, le parti d'extrême droite, est le premier parti de France. D'où ça vient? Ça vient, il y a des personnes qui sont racistes. OK. Mais c'est une petite minorité des électeurs du Front National. Maintenant, la grande majorité des électeurs du Front National, ce sont d'abord des jeunes qui disent « on n'a pas d'avenir », des gens qui viennent de province qui disent « mais nous, la mondialisation, c'est pas chez nous, donc on n'a pas d'avenir », et les gens de Paris ne nous entendent pas, et puis des gens des banlieues qui ont peur de l'immigration, mais qui surtout disent aussi la même chose « on n'a pas d'avenir, on travaille trop loin, la vie est trop dure, donc on se rebelle ». Bon, je pense que personne n'a envie d'avoir en Europe 40-50% des gens qui votent pour des partis d'extrême droite. Donc il faut anticiper. Merci pour un combat qui est le combat contre la loi Elkomri. Nuit debout. C'est le nom du mouvement qui a débuté au printemps 2016, place de la République à Paris. Ces militants refusent l'idée d'une vie sans travail. Vos urnes sont trop petites pour nos rêves, affirment-ils. De leurs incertitudes sur l'avenir du travail est né un mouvement social. Il y a une partie de la population qui gagne de l'argent à partir des gains du capital, c'est-à-dire ce sont des sommes qui sont prêtées et qui rapportent de l'argent parce qu'il y a du travail qui a été fait quelque part et qui a produit une valeur ajoutée. Mais pour la grande masse de la population vit de la rémunération du travail. Et ce travail, il est remplacé par la machine, du coup l'emploi disparaît. Alors la question va se poser, comment est-ce que les personnes remplacées vont pouvoir vivre? Quels seront leurs revenus? Alors il y a deux possibilités. La possibilité, c'est qu'on laisse aller cela, avec au bout du compte probablement une révolte sociale contre une situation de ce type-là. Une autre possibilité, c'est de taxer la richesse créée par la machine qui remplace l'être humain. Le progrès de la mécanisation, c'est un progrès de l'humanité en tant que tel. Il faut que tout le monde en bénéficie. Et il faudra en particulier qu'un travailleur qui a été remplacé par une machine bénéficie d'une rente à vie. C'est un bénéfice pour lui d'avoir été remplacé par une machine. Et il faut donc qu'une partie de la richesse créée par la machine lui revienne. Alors ça, c'était la bonne solution. Mais ce n'est pas la voie que l'on a suivie. Quand la personne disparaît, les gains faits par la machine, ils vont à deux endroits possibles. C'est les dividendes pour les actionnaires de la firme ou pour donner des bonus plus importants, des salaires plus importants aux dirigeants de la firme. Mais il n'y a aucun bénéfice pour celui ou celle qui a été remplacé par la machine. De plus en plus de gens craignent de grossir les rangs des perdants de la nouvelle révolution industrielle. De nombreux métiers qui nous permettent de subvenir à nos besoins n'existeront bientôt plus. Cela, les défenseurs de l'industrie 4.0 ne le nient pas. Mais comment y faire face? Les Californiens ont peut-être trouvé la réponse. What is Germany's role going to be? Quel rôle un grand pays tel que l'Allemagne peut-il jouer dans l'ère de l'information? Il faut savoir que proportionnellement, l'Allemagne compte plus d'ingénieurs que les États-Unis. Le pays dispose donc de cerveaux formés pour faire ce travail, mais cela ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. As I look at the companies that are leading
Si je fais le tour des leaders du marché tels que Facebook, Google ou Amazon, je ne vois pas d'entreprise allemande. Si j'étais un dirigeant politique ou économique allemand, je crois que je commencerais à me poser des questions. Nous avons des centaines de sociétés qui coulent ici, mais elles coulent très rapidement. Voici un scénario dont j'ai souvent été témoin. Nous sommes un vendredi après-midi, en fin de mois, et il y a une réunion du comité directeur. Les investisseurs arrivent, disent que la société n'a pas atteint les objectifs voulus, alors on met la clé sous la porte le jour même. Le droit du travail allemand ne laisserait jamais ce genre de choses se produire. Le même week-end, la plupart des employés vont être contactés par d'autres entreprises et dès le lundi matin, ils pourront choisir entre plusieurs emplois, le plus souvent près de leur ancien lieu de travail. Ils n'auront même pas besoin de chercher une nouvelle place de parking. Ça, c'est une culture qui dit « l'échec est quelque chose de normal ». Continue à expérimenter et à évoluer rapidement jusqu'à ce que tu trouves le bon créneau. C'est ça la philosophie de la Silicon Valley. Les Allemands qui veulent vraiment devenir entrepreneurs quittent leur pays pour s'installer dans la Silicon Valley. C'est la même chose en France. François Hollande est venu ici en 2014. Il a demandé plusieurs fois pourquoi des milliers de citoyens français travaillaient ici avec des passeports français et pas dans leur pays. C'est toujours le même problème. Le droit du travail en France est beaucoup plus rigide qu'aux États-Unis. Je lui ai répondu sur le ton de la rigolade, « Entrepreneur est un mot français », mais ça s'arrête là. Au ministère allemand du Travail, on prépare l'avenir. Difficile de concilier industrie 4.0 et travail 4.0. Google, Airbnb, Facebook et les autres semblent penser qu'ils n'ont pas besoin de l'État, voire que celui-ci les gêne plus qu'autre chose. Ils se permettent donc de faire voler en éclats les accords et les compromis que nous avons trouvés. Leur tactique portera-t-elle ses fruits? Seul le temps le dira. À mes yeux, il s'agit d'une forme de provocation. On fixe les règles soi-même, on redéfinit le monde à sa façon, et c'est aux autres de faire avec. Bien sûr, il y a d'énormes capitaux en jeu. L'année dernière, je me suis rendue aux États-Unis pour me faire ma propre idée de la situation. Mon impression a été qu'à Google, Uber, Facebook et compagnie, on a bien lu le célèbre manifeste de Marx et Engels. Selon cet ouvrage, le bouleversement constant de la production dans le capitalisme réduit en fumée tout ce qui a solidité et permanence et profane tout ce qui est sacré. Le discours de ces sociétés est plus moderne, certes, mais l'idée est la même. Il y a une certaine rigidité politique concernant les horaires de travail. Nous aimerions aller vers des horaires de travail à la carte, choisis par les employés eux-mêmes. Cela doit évidemment être négocié, notamment avec les entreprises. Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet, mais au cours des derniers mois, nous avons parlé à beaucoup de gens et les signaux que nous avons reçus vont bien dans cette direction. Il existe plusieurs formes de travail. L'activité rémunérée, le travail pour la famille, le travail pour la société et le travail pour soi. Mais avec la révolution numérique, les frontières sont plus fluctuantes. On ne commence plus à travailler jeune pour s'arrêter seulement à la retraite. Il y a de plus en plus d'années de battement que l'on utilise pour se réorienter, pour se former, pour s'occuper de sa famille ou bien tout simplement pour faire une pause ou se consacrer à la création. Je pense qu'en premier lieu, il faudrait procéder à une harmonisation des dispositifs de protection sociale. Le deuxième élément serait un revenu universel que chacun pourrait toucher et qui ferait office de base pour les activités économiques. Wolfgang Strengmann-Kuhn est député vert.
Selon lui, un débat sur le revenu universel est loin d'être à l'ordre du jour au Bundestag. À première vue, l'idée que chaque personne doive recevoir 800 ou 1000 euros peut paraître idiote. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants. Si chacun reçoit 800 euros par mois, multiplié par 12 sur une année, cela fait un total d'environ 800 milliards d'euros. Cela peut sembler énorme. Effectivement, lorsque j'évoque la chose ici au Bundestag, les gens m'arrêtent tout de suite, parce qu'ils savent que cela représente au moins le double du budget fédéral. Avec l'aide de la fondation Konrad Adenauer, proche de l'Union chrétienne démocrate, Wolfgang Strangmann-Kuhn a dû imaginer une solution de financement pour ce revenu universel. En tant qu'économiste, j'ai travaillé sur ce projet et réalisé plusieurs expertises en partant du principe que chaque personne reçoit 800 euros. Résultat, c'est effectivement faisable, avec des taux d'imposition assez proches de ceux que nous avons actuellement. Cette allocation universelle implique seulement un mode de répartition différent. Juin 2016. Pour la première fois, la population suisse est appelée à s'exprimer au sujet de l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. Pour certains, un moyen de se libérer du salariat. Pour d'autres, un projet susceptible de dévaloriser le travail. Je crois que le travail joue un rôle central aux yeux des gens. Pouvoir décider de son activité et de son travail est la chose la plus naturelle au monde. Nous sommes habitués à travailler et à percevoir un salaire. Mais je ne crois pas que ce soit là notre avenir. C'est plutôt le passé. Il ne s'agit pas de dévaloriser le travail, mais d'abolir l'idée selon laquelle tout travail est forcément rémunéré. Un grand nombre de pays discutent déjà du revenu universel et des conséquences de l'industrie du futur. Le débat gravite de plus en plus autour d'une question. L'humain devient-il paresseux lorsqu'il n'est plus obligé de travailler pour vivre ? Les gens deviendraient peut-être oisifs au début, le temps de se remettre du choc de ne plus être contraints de faire ce qu'on leur dicte. En l'absence de motivation, nous avons effectivement tendance à prendre nos aises. Nous sommes entraînés à penser que tout doit être stimulant. Cette initiative ne consiste pas à injecter plus d'argent dans le système. L'important, c'est l'idée d'inconditionnalité, qui est une grande nouveauté qui n'existe pas dans notre société actuelle. Nous voulons utiliser toutes les allocations qui sont versées aujourd'hui, comme la sécurité sociale, les salaires et les retraites. Et avec cela, nous voulons établir une somme suffisante pour vivre. En Suisse, elle s'élèverait à environ 2500 francs. Le changement, ce n'est pas que les gens ont plus d'argent, c'est qu'ils ont le pouvoir de décider ce qu'ils veulent réellement faire. En juin 2016, en Suisse, les trois quarts des votants se sont prononcés contre l'instauration d'un revenu universel. Et pourtant, inexorablement, les robots et les algorithmes informatiques continuent à grignoter les fondements de notre société du travail. Dans notre système traditionnel, de plus en plus de salariés voient leurs tâches confiées à des machines. L'intégration de l'homme dans la société peut-elle encore se faire par le marché du travail ? Une fois de plus, les pays industrialisés doivent négocier la délicate transition vers une nouvelle ère. À quoi ressembleront nos sociétés de demain ? Quelle place l'humain y trouvera-t-il ? Et quel rôle jouera le travail ? Bientôt, seul un tiers de la population parviendra encore à vivre du travail rémunéré.